Bonjour à tous, vous êtes sur la chaîne Les Cendrillons Rap. Et oui, j'ai reçu un courrier pour mon défi de Noël. Donc il s'agit de Stéphanie Collier, si je ne me trompe pas, hein. J'espère que je ne décortique pas ton nom de famille, et ses deux enfants. Donc je souhaite la bienvenue à toutes mes nouvelles abonnées hein, aussi, ainsi qu'à mes anciennes, une bonne santé et un joyeux Noël à l'avance. Voilà, donc j'ai reçu plusieurs petites choses à l'intérieur de cette petite enveloppe blanche. Donc j'ai reçu une carte de la petite Lucie qui est âgée de 12 ans, qui va faire bientôt 13 ans. C'est ce qu'elle m'a dit, elle fête son anniversaire au mois de janvier. Donc je lui souhaite un bon anniversaire à l'avance. Donc voici sa petite carte de cheminée, dont deux animaux. Donc il s'agit d'un renard et d'un lapin qui suspendent leurs chaussettes pour Noël. Voici deux ATC que le petit garçon Evan, âgé de 9 ans, qui fait partie de la même famille, qui m'a fait deux ATC de Noël sur un fond rouge, vraiment très très joli. Et sur du papier d'action, sur un bloc 30 sur 15, du papier vert, avec un sucre d'orge dessus. Très très joli, bravo, bravo. Vraiment, c'est très très joli. Mais ce n'est pas tout. Cette petite famille m'a fait une petite boule en shaker avec un nœud très très joli que j'aime beaucoup. Nœud un peu jaune et blanc, ainsi que tout autour une guirlande autour de cette boule en shaker. Donc elle est faite avec de la récup, on voit bien qu'elle a récupéré le devant pour pouvoir faire son shaker. Elle a mis de la neige et des petites étoiles à l'intérieur pour faire son shaker, vraiment très très joli, bravo. Alors, j'ai reçu aussi la carte ronde qui était de demander avec un message à l'intérieur. Donc, elle me l'a fait sur un fond doré, très très joli. Un papier qui est craft un peu pailleté, vraiment très très joli. Je ne sais pas où elle a pris comme papier, il faudra qu'elle me le dise parce que vraiment il est magnifique. Donc, avec un Père Noël dessus, voilà des stickers, c'est vraiment très très joli. Donc, très très belle participation, hein. Encore une fois. Hein, donc, toutes les personnes qui participent ont des belles créations. Et voilà. Donc, il y avait un petit message. Voilà. Très très joli. Merry Christmas. Moi aussi, je vous souhaite les enfants et votre petite maman un joyeux Noël. Elle m'a fait aussi des découpes. Donc, c'est super joli. Il y a des petits bonnets, des petits cerfs, des petits sapins. J'ai vu un petit lapin aussi dans l'intérieur. Des étoiles de neige. Magnifique, magnifique. Donc, j'ai décidé de ne pas l'ouvrir parce qu'avec mes petits chatons qui vont me les piquer. Donc, voilà. C'est super joli avec des petites cloches, des petits nœuds. Magnifique. Donc, je valide votre participation à Stéphanie et ainsi que ses deux enfants. Donc je te remercie beaucoup, un grand merci à la famille et j'attends d'autres participations pour ce petit défi. J'espère que je vais en recevoir un petit peu plus hein, parce que j'ai décalé jusqu'au 10 janvier pour les retardataires. J'espère que ça va aller. À très bientôt et un gros bisou à toutes.